village. Ils sont seuls avec leurs moutons, leurs flûtes. Et puis un autre travail qui est absolument réservé aux petites filles, il consiste à aller chercher de l'eau à la rivière. Mais pour aller chercher de l'eau à la rivière, il faut qu'il y ait de l'eau dans la rivière. Et quand il n'y en a pas, comment on fait? Eh bien, on appelle encore les petites filles. Et on leur dit, petites filles, vous allez nous faire venir l'eau. Comment font-elles? Elles se procurent des louches de bois. Et ces louches, elles en font une marionnette. Et cette marionnette, elles vont en faire une sorte de mariée. C'est la fiancée de la pluie, c'est la Tarunja. Et cette marionnette terminée, elles vont la promener dans le village en chantant, en implorant le ciel de faire venir Anzar, Anzar la pluie. Anzar, c'est là-bas un personnage masculin, et c'est le mari supposé de cette fiancée de la pluie. Alors, est-ce que ça marche? Moi, je ne sais pas si ça marche à tous les coups, mais ce que je sais, c'est que le jour où elles ont chanté, le jour où on a filmé cette séquence, le soir, il a plu. Il a plu, il y avait de l'eau dans les rivières, et c'est très bien. C'est très bien parce que ça permet aux femmes, par exemple, comme Aïcha, d'aller puiser l'eau. On puise l'eau dans un seau, on met l'eau dans des bidons, les bidons sont sur le dos de l'âne, et l'âne remonte tout ça dans la maison. Puis quand il y a de l'eau, le moulin peut tourner, et si le moulin tourne, il y a de la farine, et s'il y a de la farine, il y a du pain. Mon petit moulin qui tourne, tourne, mon petit moulin qui tourne au vent. Dedans je moule la belle farine, la bonne seigle ou le froment. Et elles s'en vont battant l'heure, battant le ciel et le grand vent. Comme des oiseaux dans la lumière ou des poissons phosphorescents. Mon petit bateau qui vire, vire. Quand il y a de l'eau, les petites filles en profitent aussi pour une toilette. Oh, une toilette courageuse, parce que l'eau est absolument glacée. Des vols sans vont battant l'heure. Quand le ciel et le grand vent volent la mouette grise et fière, le goéland, le cormoran. Et comme on est à la rivière, on en profite pour laver son linge. Les mères de famille. Et comme les mères de famille, les petites filles, parce que, ça y est, vous l'avez compris, très tôt là-bas, les enfants font les mêmes travaux que les parents. Du savon, il y a bien sûr du savon, on en achète au souk, au marché. Et puis on utilise aussi des petits morceaux de bois, des petits morceaux de pierre pour taper le linge. Mais les petites filles ne sont pas du tout tristes de mener ce genre de vie. Elles chantent tout le temps. Pour savoir où sont les petites filles dans le village, c'est pas compliqué. On se repère aux éclats de rire, aux chants.